Bonsoir à tous, bienvenue dans cette présente édition de l'Info 20h. Voyons d'abord les titres. Annonce parti travailler, c'est même un PMSD. La répartition 35-17-8 pour les tickets, jamais finalisée selon Xavier Luc Duval. Le PMSD souhaite que les choses soient mises au point très bientôt, alors que Paul Béranger annonce qu'une alliance parti travailler MMM ira aux élections législatives en cas de départ du PMSD. De son côté, Soudesh Kalichen affirme qu'il est clair que le MMM tente d'évincer le PMSD de cette alliance conclue en catimini. Conférence constitutionnelle de résistance et qu'alternative, un rapport sur les propositions des partis politiques rendu public bientôt. À l'étranger, le séisme à Taïwan fait au moins 13 morts, des touristes évacués par hélicoptère. Bienvenue dans ce journal politique Alliance Parti Travailliste, MMM-PMSD. La répartition 35-17-8 pour les tickets jamais finalisée et le PMSD souhaite que les choses soient mises au point très bientôt en prenant en compte les propositions faites à Navin Ramgoulam et Paul Béranger, souligne Xavier Luc Duval. Le leader du PMSD a réuni ses dirigeants ce matin et à l'issue de cette rencontre s'est adressé à la presse. Il a souligné que la répartition des tickets au sein de l'Alliance n'a jamais été finalisée et que le PMSD souhaite pouvoir influencer les choses au sein de cette alliance. La population est fatiguée en nous. C'est une fatiguée avec sa trois bouglane et besoin toutes les semaines. Pas pour récitum d'accord. Vraiment, vous vous rappelez de ça, moi, supposé. Et donc, après un certain temps, moi, je prends une décision avec nos bons camarades qui nous arrêtent cette discussion là, sans nous tomber d'accord. Nous arrêtons cette discussion là, mais nous allons plutôt vers le programme. Vers toutes sortes de choses. Et nous avons une réunion extrêmement intéressante avec tout le monde, MMM, le monde travailliste, le monde PMSD, concernant le programme. Et nous finirons bien loin avec consultation du public, etc. Ah, et donc, pour moi, ça 35, 17, 8 là, jamais pas finalisé. Il y a une proposition. D'ailleurs, nous tous connaissons qui, quand. Navin Ramgoulam, il dit ça. Paul Béranger, même, il sautait. Le fait est qu'il n'y a pas de aucun accord définitif. Il y a une cause dans l'air. Concernant la suite au sein de l'Alliance, Xavier Luc Duval a annoncé qu'il a fait d'autres propositions aux deux autres leaders et souhaite que toute l'affaire soit résolue très bientôt et que le rassemblement du 1er mai soit un grand succès. Nous faisons une proposition hier et avant avec le docteur Navin Ramgoulam, pour qui nous avons beaucoup de respect, et aussi avec Paul Béranger aussi, avec tout le respect, qui énormément de propositions nous veut faire. J'ai fait des trois contre-propositions, mais ça continue. On va voir quand nous arriver. Nous, comment tout le monde souhaitait qu'il nous finalise rapidement et qu'il nous capable d'arriver à une solution. Mais ce n'est pas seul au PMSD de trouver la solution. La solution, si nous tous envie à l'ensemble, c'est à tout le monde de trouver la solution. Et c'est ça, moi, pensée réunion qui finit de passer avec Navin Ramgoulam, positif, même très positif. Nous pouvons être finalement, quand il finit de gagner une conversation avec Béranger, avec Paul Béranger, etc. Écoute, nous pouvons arriver avec les choses. Nous souhaitons donc qu'il soit capable de finaliser au plus vite et qu'il soit capable de faire 1er mai ensemble. Et mon cher qui dit prendre 1er mai. Massif. Également, en conférence de presse ce matin, Paul Béranger, leader des Mauves, est revenu sur les tensions au sein de l'Alliance Parti Travailliste, MMM-PMSD. Il se dit insatisfait du nombre de 17 tickets attribués au MMM, mais dit accepter ce chiffre pour l'intérêt du pays et d'ajouter que le Parti Travailliste et le MMM iront ensemble aux prochaines législatives au cas où le PMSD de Xavier Luc Duval se désiste. Nous l'écoutons au micro de Keshav Shridam. Nous souhaitons que l'Alliance MMM, l'Alliance Parti Travailliste MMM-PMSD, continue et consolide. Mais évidemment, si demain PMSD décide pour aller, eh bien, nous nous parions. Nous pas souhaiter, du tout, comme on peut dire d'autres, mais si PMSD allait, bonne chance. Nous tous connaissons qu'inévitablement, si PMSD casse
ben avec nous, et inévitablement, je n'ai pas le mot dans les bras. MSM, ben, nous pas souhaite ça. Au contraire, nous souhaiter qu'il alliance confirmée, consolidée et finalisée tout bon détail. En tous les cas, on peut causer MSM. Tout ça faisait un qui MSM fait un autre fort, etc. Sa qualité, autre peut s'y plier. Sa qualité, autre peut courtiser d'une façon indécente. Mais même si peut MSM aller, une bonne alliance. Travailler chez MSM, nous parions. Sur la formule 35-17-8, étonnant que le mécontentement du PMSD n'a pas été évoqué par Xavier-Luc Duval lors de la rencontre de mercredi, déclare Paul Béranger. Évidemment qu'il nous aussi, nous, au MMM, nous pas satisfaits. Il nous pas insatisfaits, oh la longue. Et mon frère connaît ça. David Ramoulam connaît qu'il nous pas satisfaits parce qu'il 35-25, 25-17-8-PMSD, il veut dire qui dans plusieurs circonscriptions, parfois il y a un candidat MMM. Simple arithmétique. Mais il arrive quand il est arrivé, nous exprimons nos insatisfactions, nos désaccords, mais pour nous, la priorité, c'est faire MSM aller. Pour nous, la priorité, c'est sauver le pays. Ça 35-25 là, malentendu, pas malentendu, bon, it's done now, comme dit anglais, nous pas satisfaits, mais nous guettons plus vivants. Et moi, il est un peu étonnant ce qui est arrivé finalement, parce qu'il m'a crédit, les temps, Navin Ramgoulam, Xavier Duval et moi-même, nous finissons, pas y en a aucune cause, l'eau, 8 tickets passés pour PMSD. Mais personne pas une révine l'eau ses affaires, y compris Xavier Duval, personne pas une révine l'eau ses affaires, 8 tickets au PMSD, de pas d'accord. On n'est pas d'accord, ben, ouais, ben, pas une révine dit tout, mais nous, naturellement, un Navin et moi, nous, une ticket, faut grand tout. Politique toujours, il est clair que le MMM tente d'évincer le PMSD de cette alliance conclue en catimini, affirme Sudesh Kalichun. Le ministre du Travail a animé la conférence de presse du MSM aux côtés de Deepak Balgobin et d'Avinash Tilak. Sudesh Kalichun n'a pas manqué de faire les éloges de Xavier-Luc Duval et du PMSD au cours de son discours tout en égratignant le MMM au passage. Selon ses dires, depuis quelque temps, les observateurs politiques affirment que la prestation de Xavier-Luc Duval en tant que leader de l'opposition est remarquable, ce qui ne plaît pas à Paul Béranger. Un extrait de sa déclaration. Pour rappel, qui chaque l'anniversaire pour commémorer la mémoire de bonne victime, le PMSD finit tous les temps présent dans sa fonction-là. Zodi, la nougat body language, la nougat prise de position, Paul Béranger sur la question, l'éclair qui, le MMM, pérote et vince le PMSD de sa alliance qui vient faire en catimini-là. Commentant la répartition des tickets de l'Alliance Parti Travailliste MMM-PMSD, Sudesh Kalichun affirme que le PMSD devrait avoir plus de considération que le MMM. Toujours selon les observateurs politiques, dit-il, le PMSD est un plus grand parti que le MMM. Le ministre du Travail trouve que Xavier-Luc Duval devrait s'affirmer face à cette situation et démontrer sa vraie valeur. Ben observateur politique, depuis quelques temps, Pédiali maintenant, qui le PMSD, sous prestation d'en parler, c'est surtout Xavier Duval, en tant que leader de l'opposition, finit à la hauteur. Alors, MMM, Paul Béranger, pas peut digérer sa fille là. Et l'inormal, quand, ben, observateur, pas nous qui peut dire ça, hein, ben, observateur politique peut dire ça, le PMSD, bien, a plus de considération que, qui le MMM, dans distribution de ban tickets. Avec raison. Et ban observateur politique, je vous dis, peut reconnaître que le PMSD est le plus grand parti que le MMM. Alors pourquoi cette disparité entre distribution de ban tickets entre le MMM et le PMSD?
Également, dans l'actualité, retombée de la conférence constitutionnelle de résistance et qu'alternatif, un rapport sur les propositions des partis politiques rendues publiques bientôt, alors que les membres de la société civile sont appelés à faire ces propositions le samedi 13 avril prochain. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, les dirigeants de résistance et qu'alternatif ont abordé plusieurs sujets. David Sauvage s'est penché sur l'Environment Bill, qui a été présenté en première lecture à l'Assemblée nationale, alors qu'Ashwin Goudaï a traité le projet de loi en faveur de personnes handicapées qui est actuellement débattu au Parlement. Stéphane Guya a de son côté parlé des retombées de la conférence anticonstitutionnelle qui a eu lieu samedi dernier. Il souligne qu'un rapport est en cours de préparation alors qu'une autre conférence aura lieu samedi prochain où la société civile sera appelée à faire ses propositions. C'est un rapport qui nous peut soumettre à un parti politique. Et le but de cet exercice-là, la dernière fois, c'était pour écouter une proposition, qui sont des questions qui se posent à un parti politique, mais nous avons aussi ouvert l'espace pour que justement, il y ait un commentaire public, citoyen, et que demandent les autres organisations, et que nous gagnons pas mal. Donc ça, là, nous pouvons mettre dans un rapport qui nous peut soumettre à une organisation politique, mais qui nous aussi pour un public. Et là, prochain rendez-vous qui nous peut donner, c'est pour samedi le 13 avril, donc pour probablement dans Unity House à Beaubassin toujours, et pour probablement dans même l'air, pour prendre un différent point qu'il a amené dans sa conférence constitutionnelle là, nous pouvons, comment dire, highlight une convergence qui est là, et que là c'est plus ce qu'on appelle la société civile qui peut inviter pour débattre de ce point-là, pour discuter de ce point-là, mais pour qui aussi la société civile, je veux dire, qui est un point important, je pense, bien amené dans une nouvelle constitution. Tout à fait autre chose à présent, santé, lancement de la campagne de vaccination antigrippale 2024 le 8 avril prochain. Dans le cadre de l'exercice de vaccination antigrippale pour l'année 2024, le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale fournira des vaccins pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les enfants handicapés, fréquentant les écoles spécialisées et tous les résidents des institutions caritatives et des foyers privés agréés. La campagne de vaccination 2024 sera lancée le 8 avril et se déroulera selon un calendrier établi. Les détails du calendrier de vaccination comprenant les lieux, les horaires et les dates seront communiqués au public par le biais de la presse et d'un communiqué publié sur le site web du ministère de l'Intégration sociale, ainsi que dans les bureaux de la Sécurité sociale, les centres de bien-être social, les centres communautaires et les centres d'accueil pour les personnes âgées. L'exercice de vaccination se déroulera également à l'île Rodrigue et à Galega. Blanchiment d'argent allégué, 2,6 millions de roupies en devises retrouvées chez un couple russe le jeudi 4 avril dernier. Les hommes du SPHK Jagaï ont effectué une descente au domicile d'un couple de ressortissants russes à Péribert. Lors de cette perquisition, une somme de 2,9 millions de roupies a été découverte. Les lignées de la Special Striking Team ont placé les deux suspects en état d'arrestation. D'autres détails avec Nivesh Narainen. Les hommes de la Special Striking Team, munis d'un mandat d'arrêt, ont perquisitionné le domicile de Georgi Tokunov à Péribert. Lors de cette opération, la police a découvert une forte somme d'argent en devises et en roupies mauriciennes. 2,2 millions de roupies, 10 281 dollars américains, 2 650 euros, 440 livres sterling, 2 030 dirhams ont été découverts dissimulés dans un coffre-fort. Le montant total s'élève à 2,9 millions de roupies. Georgi Tokunov a été placé en état d'arrestation et a été traduit devant la justice le 5 avril dernier sous une charge provisoire de blanchiment d'argent. La police ayant objecté à sa remise en liberté sous caution, l'homme âgé de 47 ans a été reconduit en cellule policière. Après que son fils ait été pris en contravention, Modan Vipsou, moi, The Top Kone Or Moi, lance un inspecteur de police à un sergent.
Les faits se sont produits ce samedi matin à Kirkby par les hommes du sergent Sitchin de la Division Supporting Unit avaient verbalisé le conducteur d'une voiture lorsque les choses ont dégénéré. Le contrevenant, le fils d'un inspecteur de police, aurait insulté le sergent ainsi que ses collègues. Le père du conducteur est ensuite intervenu après quelques minutes et aurait aussi insulté les policiers. Modern Vipsouz, The Pukoni au moins, aurait lancé l'inspecteur de police aux officiers, se sentant menacé et humilié, le sergent Sitchin a consigné une plainte au poste de police de Kirkpip. On fait une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Et à l'étranger, le séisme à Taïwan a fait au moins 13 morts, des touristes évacués par hélicoptère. Ce samedi 6 avril, des hélicoptères ont continué à évacuer des dizaines de touristes piégés depuis 4 jours par des éboulements dans un massif montagneux de l'est de l'île de Taïwan, secoués par un puissant séisme qui a fait au moins 13 morts, selon un nouveau bilan. Le tremblement de terre de magnitude 7,4, le plus puissant en 25 ans à Taïwan, a fait aussi 6 disparus et plus de 1100 blessés. Les autorités taïwanaises ont revu à la hausse samedi le nombre de morts après avoir récupéré 3 corps localisés la veille sur un chemin de randonnée, relate l'AFP. Épidémie de choléra aux Comores, un nouveau décès enregistré. L'île Moheli aux Comores a enregistré un nouveau décès lié au choléra le 2 avril, rapportant le nombre de victimes à 3 dans la région. L'épidémie affecte durement les habitants de l'île ces dernières semaines. Pour rappel, fin mars, les autorités de l'archipel des Comores font état de 574 tests positifs et 16 décès liés au choléra depuis le 30 janvier 2024. Et New York, touché par un séisme de magnitude 4,8, un tremblement de terre a secoué ce vendredi matin la zone métropolitaine densément peuplée de la ville de New York. L'épicentre de la secousse aurait été enregistré près de la station White House dans le New Jersey, à 65 km à l'ouest de New York. Le séisme a eu lieu à 5 km de profondeur et aucun dégât important ni blessé n'ont été signalés dans l'immédiat. Voilà, c'est ici que prend fin cette présente édition de l'Info 20h. Merci de l'avoir suivi. De tout Mauricien réunit loin de ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amotille, n'a peine. Sans frayer ni faveur, nous amène où la vérité.